Avec un athlète de l'ACL 44 à notre place devant nous, Julien Vampiro qui avait remporté l'édition il y a quelques temps de cela. Et nous avons un athlète de l'ACL 44 Esco qui prend une belle victoire devant Freddy Pallier, devant notre athlète illustrateur mais qui nous vient de Caen et qui a fait forte impression aujourd'hui. Roland Huguet qui est également en termine. Voilà donc, allez les garçons, il n'y a pas de place à prendre, c'est un sprint tout ça. Voilà donc, on donne tout jusqu'au bout. Voilà, super. Allez les jeunes, allez, on y va. Revente métropole athlétisme. Voilà avec les athlètes Vassel, avec notamment Ludovic Boisson qui devient de Guérande. On a notre ami Théo Archon de la Bosseau qui en termine. Voilà donc le dossier numéro 105, un athlète du TCA Triathlon. Il s'agit, alors que passe devant nous, Logan Chevalier. Logan Chevalier qui vient de terminer. Et donc il s'agissait de souffle. Inscrit de dernière minute. Voilà, donc le Massé, avec également un concurrent de 264, Max Auguste Chassin, qui nous vient du triathlon également. Voilà, donc le nageur sont sortis également. Il l'annonce, on dira. Ouais, on vous dira. Voilà donc le Sloss était dans la course. Océane, chez moi, allez, Océane, jusqu'à vous.
Et effectivement, c'est surprenant cette ligne d'arrivée. Allez Patrick, de 1555. Patrick Incour, Yves Levasseur. Et puis depuis le Ménardet de la musette de Lola, Sarah Chotard derrière. Allez Patrick. Thierry Roison également qui amorce la dernière ligne droite. Alors il y a un ravitaillement qui vous attend au bout de Natacha Poulain. Allez, Sandrine, Popin Lange. Allez Lydie, le team Décathlon. Estelle Rassin qui également est dans la dernière ligne droite. Allez mesdames. Voilà cette chance extraordinaire d'avoir ce soleil aujourd'hui. Il est présent toute l'après-midi. Alors, j'appelle toujours Stéphane Desoux. Stéphane Desoux situé sur le village, s'il te plaît, en demande. Thank you.
N'hésitez pas, ne soyez pas là. Vous pouvez les encourager. Voilà, donc, très bien pour toi. Salut Fabien, qui sera là tout à l'heure, les avant-postes. En forme ce matin, Fabien. Ça va, Jean? Bon, tes conditions sont bonnes? À tout à l'heure. Fabien Lebégard qui sera là. En tête de course sur le 2 km tout à l'heure, il vient avec de bonnes intentions aujourd'hui. C'est bonjour, Fabien n'est pas là, Pauline n'est pas là, Martin Richard n'est pas là. Voilà, donc, allez, on va venir avec lui, tous ensemble, regardez, parce que c'est pas mal ça. Allez, avec Camille Malin. Et la période, c'est une bonne étape.
comme j'ai vu en 16 minutes, les héroïnes se lavent. Celui qui est sur la Joëlette, est-ce qu'il a une caisse?
Alors, on annonce la présence de Saïd El-Fadil aujourd'hui, ici à Saint-Nazaire. Saïd El-Fadil qui a remporté quelques années maintenant cette course. Ça va y aller. Maintenant, si Saïd va dire des wagons de peloton, si je peux dire, amènerait quelqu'un sur les bases de 38 minutes, ou alors est-ce qu'il a envie de prendre la poudre de l'escapette comme c'est si bien le faire. On verra tout à l'heure. Sur ce 10 km. Et ça fait très plaisir de voir notre ami Saïd qui a remporté une nouvelle fois au printemps dernier à Saint-André-des-Eaux. On a un écart quoi. Si tu veux pas là, viens voir au mais avec la Jolette, je sais pas. Il y avait un dossard sur celui qui était dessus, et il y en avait un sur celui qui était derrière. Alors je crois que j'ai dû prendre deux. Alors peut-être que. Sur le circuit. Et puis on a notre grand champion, David Bernier, qui sur le podium. Ça va arriver aussi et se passer sur les pistes. Il est coulé du pont, il y a quelques semaines de cela. Il a pris une belle deuxième place devant Jarnier au coulé alors que Romain Chiffolo passe devant nous. David. David, aujourd'hui, un petit boulot à part, meneur d'allure. Meneur d'allure sur ce 10 km, première expérience. Ouais, bah, c'est pas sympa. Il y a des gens qui me font la conduite, donc Et puis, alors, l'objectif principal, c'est dimanche prochain, ce marathon, championnat de France. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai pris la décision de continuer la course à fond aujourd'hui parce que dans le final, j'ai le France de ski et tout, donc j'ai pas un peu de temps. Alors, au fond de ta tête, le chrono envisagé, c'est combien? Ouais, c'est les autres courses, mais mon temps, c'est meilleur 6,40 sur ce marathon. Ok, une 6,40, donc une 6,40 sur ce marathon. Je vous laisse juge de la performance. Merci, merci David, et puis à tout à l'heure. On se réunit tout à l'heure pour donner les. Donc David Bernier, qui avait pris deuxième place ici l'an passé, et qui a aujourd'hui donné son temps pour aider les concurrents à établir un chrono de 40 minutes, ce qui fait 15 km/h, hein, sachez-le, c'est pas neutre. Alors on va procéder à la récompense, à la remise des récompenses du 5 km. Alors on va appeler donc trois catégories sont représentées aujourd'hui et. Donc on a trois catégories, donc la catégorie jeune chez les hommes, chez les femmes, bien sûr, la catégorie adulte, hommes et femmes, et la catégorie master. Donc ça correspond l'ensemble des catégories dans la catégorie jeune, c'est junior cadet. Non, pas des photos machin, mais et puis chez les masters, nous en sommes également à récompenser l'ensemble des catégories master dans cette catégorie. On a donc privilégié. Voilà, donc on va appeler Thomas Le Gouen. Thomas Le Gouen, est-ce qu'il est parmi nous? Thomas Le Gouen, Frédéric Maillard et Clément Perrault. Alors je vais demander à ces trois garçons.